du moment, dans une affaire où il y a mort d'homme, ce n'est plus une, ce n'est plus un jeu. Je réponds ce que je dis. Écoutez-moi bien. Dans une affaire, tu peux t'insulter quelqu'un, on laisse. Tu peux violer une fille. Avec la famille, on gère, on laisse. Mais à partir du moment où il y a mort d'homme, mort, la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui avait par exemple ambition de devenir médecin, diplomate, avocat, sa vie s'arrête. Ses parents ne verront plus la personne, ce n'est plus un jeu. Mais oui, c'est clair. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vraiment. Ce nom est le Arafat camerounais. Ah bon, hein? Et l'histoire d'Arafat m'a appris que si quelque chose arrive à Tenor, nous serons tous responsables. Si vous avez remarqué sur ma page, je ne mets jamais les rips quand les gens meurent. Alors? Remarquez bien sur ma page, Arafat est mort, tous les gens là, mais moi je ne mets pas rips. Pourquoi? Parce que moi, je suis le genre de personne, je t'assiste quand tu es en vie. Comment je me suis entendu? Je fais tout pour que tu ne meurs pas. Quand tu meurs déjà, tu es parti, tu es parti. Moi je ne regarde plus ça. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. À qui appartenait le véhicule, première des choses? Et s'il n'appartient pas à Tenor, pourquoi est-ce que la voiture s'est retrouvée entre les mains de Tenor? Point d'interrogation. Avait-il un permis de conduire? Point d'interrogation. Quel était le taux d'alcoolémie des occupants de ce véhicule? Point d'interrogation. Est-ce que la voiture avait le matériel de sécurité, les extincteurs et tout? Point d'interrogation. En fait, pour moi, ces trois jeunes sont en fait les victimes. Pourquoi? Les victimes de notre négligence. Ah? D'abord, Erika. Erika, qui n'a pas demandé à mourir. Vraiment? Car c'est un accident. Mais un accident n'arrive pas par accident. Que quoi? Un accident n'arrive pas par accident. Ah? On me l'a appris. Ok. Arrêtez de voir le sacrifice partout. Quel sacrifice? Point d'interrogation. Vous croyez que Tenor est devenu Tenor parce qu'il a vendu quelqu'un? Vous croyez qu'il a vendu quelqu'un pour faire d'où le dab qui a fait le buzz dans le monde entier? Jamais. Non, le problème est là, mais nous voulons toujours éviter le problème. Quoi? Le problème est là, mais nous voulons toujours éviter le problème. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Je te dis que... Pourquoi des imbéciles sur les réseaux sociaux qui profitent de la situation de Tenor pour se faire passer pour des bonnes personnes, pourtant ce sont des criminels à col blanc. C'est comme ça donc que le massacre commence. C'est qu'on est tous morts. Champions des partous, les proxénètes, des imbéciles, des idiots. Hey! Au lieu de mettre l'arbre de paix pour mettre ce qu'on appelle l'harmonie. Quoi? Au lieu de mettre l'arbre de paix pour mettre ce qu'on appelle l'harmonie. Hein, essayer de tout calmer, ils sont tous là en train de remuer les couteaux dans la plaie. Je viens de recevoir une vidéo de Gabon Angé où il insulte quelqu'un sans citer son nom. Comment les gens font une bêtise comme ça? Pour ça, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. S'il même fallu attendre que quelqu'un fasse le buzz avant d'aller vers la personne, alors que moi, je m'en vais prendre la personne, je fabrique le buzz. Ouais. Hein? Je fabrique la personne, le buzz, je mets le buzz derrière la personne. Mais s'il même fallu attendre que quand quelqu'un a fait le buzz au quartier, là, il va y récupérer la personne. Prendre soin de ses proches restés en Afrique? Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Je présume que c'est de moi que tu parlais. Ça c'est qu'elle dit. La personne, tu sais à qui il parle. Une imbécile. Quoi? Une imbécile. Hey! C'est fumer la drogue qui fait que tu peux parler mal à ton père, à ta mère, devant ton papa et ta maman, à présence de tes parents. Tu vas voir, non?
Parce que vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Alors je te prie, mon frère. Fais une autre vidéo où tu cites mon nom en disant que c'est de moi que tu parlais. Un imbécile. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas aux invectives sur les réseaux sociaux que je permets à tout le monde de me parler n'importe comment. Un imbécile. Toi, le grand Steve Fan, hein, l'assistant marmaillère de Camille Makoso. Ta gouverne, il faut savoir que tant que vous allez continuer cette vie dangereuse, mettre la vie des gens des enfants des gens en danger, tant que vous allez continuer une vie de maître, il y aura toujours les gens qui vont parler. Imbécile. Qu'est-ce que vous parlez? Tu peux pas monter tête. Quand même, mon frère, tu vas voir. Toi, tu étais un adepte de la langue de bois, je le sais. Tu es toujours là à saboter les gens derrière. Mais moi, je te dis toujours toutes mes choses en face. L'autre jour, tu m'as appelé, tu m'as dit, pourquoi quand je viens à Douala, je t'appelle plus? Et je t'ai dit clairement, qu'à chaque fois que je venais à Douala, Abonamou, ça dit, où tu connais, tu venais toujours chez moi avec les bordels. Imbécile. Tu peux avoir une situation au Cameroun, tu fermes ta bouche. Point d'interrogation. Cabral Nangé, quand je vous ai dit que celui qu'on appelle Steve Fassi, c'est la pire des balances qui existent sur la planète. Ah. On t'a envoyé sur terre, tu es devenu quoi? Le procureur de la vie des jeunes de Yaoundé. Point d'interrogation. Tu es devenu le procureur de la moralité des jeunes Camerounais. Mais oui, c'est clair. Lui, voilà, il vient raconter maintenant que quand tu venais chez lui à Bonamou, ça dit, tu partais toujours chez lui là-bas avec tes bordels. C'est pour ça que tu... Même, tu vois, frère, on ne parle pas comme ça. Vraiment. Tu vois, il te manque la grandeur d'un mec. Il te manque l'intégrité d'un ami sincère. Il te manque même... You are not a real guy. You are a bitch. Your English is complication for me. Pourquoi il est un voyou? Mais moi, les gens, ils m'amusent. Ouais. Elle dit quand elle regarde parfois, je ne peux pas vous respecter. Et moi, je n'ai pas apprécié ça. C'est pour ça que je t'appelle plus. Alors, si tu ne me respectes pas en tant que grand frère, respecte-moi en tant qu'un influenceur, tout comme toi. Chien vert. Ça m'énerve juste. Gna 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 gna. Le fils de Paul Biya parle beaucoup. Paul Biya est un, vous allez voir. Qui peut prendre position pour prendre la parole pour parler d'un sujet d'actualité. Chien vert. Oh, c'est pitié incroyable. C'est la magie. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. Je parle même pas de ténor. Je veux parler de la jeune petite fille là. Qui est décédé avec Ténor là. Est-ce que vous avez vu la fille? Une petite fraîche nimi. Quoi? Une petite fraîche nimi. Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. De 22 ans, elle est partie à jamais. Mais on m'a envoyé. Mais c'est avec le téléphone que je fais le live. La vidéo à quelques minutes de sa mort où elle était arrêtée avec votre ténor là. Elle était contente d'être à côté d'une star. Elle était... Regardez ce que son père a dit. Son père a dit il n'est pas mort. S'il est guéri, il va doter ma fille. Il va doter cadavre là. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. La crainte de Dieu est la meilleure des choses quoi. Mais oui, c'est clair. Dominus vobiscus. Amen. Il devait suivre avec la fille. Il va l'épouser. Tu as dit ça. Le père, là, je vais l'envoyer un whisky. Mais le père, je vais le chercher à Facebook. Je vais l'appeler. Hey. Il doit. Je suis comme la terre avec la robe blanche. Quoi? Je suis comme la terre avec la robe blanche. Ah, dis donc. Il doit être assis avec elle. On lui met la bague au doigt. Quoi? N'importe quoi. Ne vous manque pas. On l'oblige à l'épouser. Elle est morte. On ne peut plus rien faire pour elle. Aucune ceinture de sécurité ne peut la sauver désormais. Aucun médicament ne peut la sauver. Aucun conseil ne peut la sauver. Et pourtant, son père la croyait à l'école. Mais elle se retrouvait en boîte en train de péter le champagne avec un petit vaurien là qui passe son temps à aligner les filles. Juste parce qu'elle pense sortir avec une star pour qu'on dise qu'elle est sortie avec ténor. Quelle déception du jour. Elle était avec lui. Pour ça, pour qu'on dise qu'elle est sortie avec ténor, j'espère qu'à sur sa tombe, qu'ils vont graver, ils vont mettre le nom de ténor sur sa tombe là-bas, ou alors, je ne sais pas. Mais comme son père l'a dit, il est temps que ténor vienne l'épouser. Pendant qu'elle est morte, il vienne l'épouser maintenant. Qui viennent payer la dot. Oh, c'est pitié incroyable. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Mais moi, les gens, ils m'amusent. Ouais. Elle dit quand elle regarde parfois, je ne peux pas vous respecter. C'est le pire affaire de beige. Non, 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 non.
la mesure où cette affaire est une affaire qui existe dans tous les pays. Nos jeunes soeurs de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans aiment aujourd'hui les buzz. Mais oui, c'est clair. Aiment aujourd'hui les artistes, aiment aujourd'hui le monde de la nuit. Conséquence, la mort. Vous comprenez dans la compréhension? C'est pas possible. D'abord, j'aimerais dire deux choses. Je vais être vrai dans tout ce que je fais. Le manager qui a produit le communiqué, je n'ai pas manqué de le dire à certains proches, a commis l'erreur la plus monumentale en matière de gestion d'une crise. Pourquoi? Dans une affaire où il y a mort d'homme, on ne s'amuse plus à produire des communiqués. Ok. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le communiqué du manager, le communiqué a été supprimé. Pourquoi? Le communiqué a été supprimé parce que tout simplement les amis de la fille qui ont vu la fille partir avec Ténor se sont mis à écrire des commentaires. Parce qu'on ne peut pas... Je vais t'expliquer une chose. Dans l'affaire de Ténor là, si le mensonge s'installe, vous avez détruit la carrière de Ténor. Salut les fans, je suis Franco. C'était juste une petite vidéo pour rendre hommage à la jeune Erika décédée dans l'accident de Ténor. Ok. Beaucoup de courage à la famille de la jeune fille. Les fans, l'épisode 12 de ma série web Les Aventures de Franco est déjà en ligne depuis hier. Allez regarder rapidement, c'est la magie. Déposez. Dans la Bible, c'est écrit: l'homme ne vivra pas que du pain, mais de la parole de Dieu. Déposez. Hey, qui passe tout ça, vous aussi dites quoi, non, pasteur? Dans la même Bible, il est aussi écrit: quand il y a pour un, il y a pour tous. Wow. Pasteur, pardon. Excusez-nous.